Bonjour, bonsoir, bienvenue et bienvenue sur cette indirect de Galaxy Pass Station. Et regardez, il y a la France juste là. Voilà, c'est tout. Je voulais commencer très rapidement pour mettre ça. Je peux cliquer sur toi? Non, ça fait rien. En tout cas, Galaxy Pass Station est un jeu qui, selon Twitch, est un jeu de simulation, jeu d'aventure, et je n'ai pas aucun avis puisque je sais quasiment pas ce qu'est le jeu. Voilà, j'ai vu quelques images, j'ai dit oh ça a l'air intéressant, mais je n'ai aucune idée de ce qui va s'y passer. Donc on va découvrir ça tout de suite. En tout cas, Galaxy Pass Station est un jeu qui est sorti aujourd'hui et dont les développeurs m'ont donné une clé pour pouvoir le tester. Donc sans plus attendre, il est traduit en français en plus, formidable. Testons-le tout de suite. Here we go. C'est beau, c'est français. Oula, 6 emplacements de jeu. Ça pète un peu, je pense, jeu. Premier contact. Année 3020, ou le début de l'histoire du premier contact de l'humanité avec les extraterrestres et le gouvernement galactique. Putain, on a réussi à survivre jusqu'en 3020. Mais j'y crois pas. Deuxième contact, 3025, le lancement. Ah, je dois choisir. Bah, premier contact, je ne connais pas le jeu. Code d'accès requis. D'accord, ok. Bon, premier contact. Tout à fait. Le futur, l'année 3020, Spherical Corp a inventé un moteur à distorsion pour les voyages galactiques. Mais une force invisible, barrière, a téléporté tous les voyageurs sur Terre. En même temps, le premier contact avec le gouvernement galactique et les aliens a eu lieu. Une énorme flotte de vaisseaux extraterrestres se dirigeait vers la Terre à une vitesse phénoménale. Qu'attend l'humanité demain? La fin du monde ou une nouvelle ère? Les extraterrestres ont atterri sur Terre près du siège de la corporation. Ils sont ici! Tout le monde criait et filmait ce qui se passait. Nous sommes ici! C'est pas une super traduction, mais bon, c'est pas grave. N'aie pas peur, nous sommes la paix, nous ne voulons rien, discours illettré. Ta Google, merde. La barrière est partie, nous l'avons éteinte, volez où vous voulez. Le gouvernement galactique vous considère comme une menace. What? Il y a un danger pour vous, la destruction vous attend. Utilisez le moteur de distorsion avec sagesse. La fin, je pars, nous partons. Je comprends pas tout. Ils ont laissé une brève instruction. Créer un document galactique. 2. Il n'y a pas eu de 1. 2. Lancer la station spatiale, contrôler tout le monde. Mais c'est ça aussi, hein, les joies de présenter des jeux indés. Hein. C'est très aléatoire, mais c'est toujours très drôle. Appel entrant, bip bip. Merde. Bonjour, directeur de station. Je suis votre assistant robot, envoyé par la corporation Sphere. Ma tâche est de vous aider dans tout ce que vous demandez. D'accord. La société vous a nommé chef de la direction de cette station spatiale Galaxy Pass. C'est la première station du hub interstellaire du système solaire, ainsi qu'une zone de contrôle des frontières. Les premiers passagers arriveront bientôt. Bouche en 3. Vous êtes obligé de vérifier tous leurs documents. Cependant, quelque chose s'est mélangé dans la société et certains d'entre eux ont la mauvaise photo dans les documents. Ah, c'est un papers please. D'accord, ok. Et certaines petites personnes insensées dans la corporation ont commis une erreur avec les données. Certains documents indiquent à tort qu'ils sont des robots. Ok. Alors, ok. Salut Magreux. Je cherche le sommeil. Ah, moi je vais pas pouvoir t'aider beaucoup, moi. Alors, donc ça a l'air d'être un papers please. On va devoir checker les papiers, si j'ai bien compris, des arrivants. Bonjour, au cas où, je vous envoie les instructions de base. Vous n'avez pas à les mémoriser toutes, mais il serait utile de les lire au moins ceci. Contrôle. Vous voyez, vous critiquez sans cesse mes talents de traducteur instantané. Je vous signale qu'au final, je m'en tire quand même mieux que Google Trad. Alors je vous merde. Contrôle, changer d'échelle, utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer la station.
Contrôle la caméra, utiliser WASD ou les flèches, passer la caméra en mode... Sélectionner... Maintenant, le bouton de la souris enfoncé. Lequel bouton ? Sélectionner un objet. Pour sélectionner quelque chose à la station, utilisez les boutons de la souris. Raccourci. Espace. Je l'ai. D'accord, ok, je peux faire pause. Numéro 2, augmenter la vitesse, d'accord, vitesse standard, ok. B, menu de construction de station rapide. Supprimer les éléments ou la pièce sélectionnée. C'est tout, ces instructions ne seront pas... D'accord. Alors, attends, je pause. Pourquoi le son est beaucoup plus fort que tout à l'heure, hein ? Voilà, s'il te plaît. Ogre ! Galactique A101 volant, ligne spatiale, les premiers charts. De lune. Temps de vol 1 minute, passager 4 terriens. Caractéristique du passager. Transit. Mini générateur, golem local. Oh là là ! Oh, il se passe beaucoup de choses à l'écran, je comprends pas tout. Salutations terriens, le Galactique A101 attend l'approbation pour l'atterrissage. D'accord. Moi, je suis monomot. Hein. Un mot. Mot. Deux mots. Mot. Notre vaisseau spatial est prêt à s'aventurer au-delà du système solaire. Mot. Mais d'abord, nous devons préparer tous les documents galactiques pour ces terriens. Mot. Pendant que vous... Ah, ça me gratte le nez, César commence. Ça fait longtemps, tiens. Pendant que vous vérifiez les repapiers, je vais faire un tour autour de la gare. Mot. Veuillez approuver notre atterrissage et vérifier leur passe galactique. D'accord. Déconnecté. Grève à la gare ? Grève à la gare. Alors, toi... Toi, t'es celui qui m'a parlé. Sintaka Slumnslu. Slumnslu. Slumn. Ok. Bavard pilote, nanamanamana. Comment je vérifie les... D'accord. Donc ça, ce sont les 4 passagers. Comment je fais ? Alors, inspecter. Prix d'inspection, 342 euros. Et 5 molécules. Hein ? Alors, comment ça marche ? Si je fais démarrer le dialogue. Bonjour, avez-vous des questions à me poser ? Vous devez vérifier vos documents ? Non. Je dois vérifier vos documents. Tu peux enfin crier à tout rond ? Pas encore tout à fait. Mais presque. Ah mon nez ! Non, ça recommence. Je pars encore tout à fait. Il me manque un bout de mur là, un bout de mur là. Et je pourrais crier après. Voilà. Mais pas tout de suite. Mais après. Mais pas tout de suite. Mais bientôt. Alors, je dois vérifier vos documents. Bien ici, documents, d'accord. Je vous interdis désormais de critiquer ma traduction. Vérifiez les documents. Oula. Vérifiez les documents des visiteurs. Cliquez sur n'importe quel visiteur avec un point d'exclamation et appuyez sur le bouton vérifier. D'accord. T'as acheté une maison sans mur. Non, c'est parce que... Là, c'est un bout de mur. C'est un... Voilà. 10 cm de mousse. Il m'en manque là. Il m'en manque au-dessus. Voilà. Et après, je pourrais crier comme je veux. Voilà. Désolé, YouTube. Donc c'est bien ça, hein. C'est bien un papers, please. Alors, vérifiez les documents. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur dans les documents du passager. La photographie et la race du passager doivent correspondre aux informations de ces documents. D'accord ? S'il n'y a pas d'erreur, renvoyez-le en bas à la station. S'il y a des erreurs, envoyez-le en haut pour qu'il quitte la station. N'oubliez pas de glisser les documents de la petite table vers la grande table à droite. Petite table vers la grande table. Ah, d'accord, de truc d'inspection vers mon truc à moi, d'accord. Donc je dois vérifier... photographie et race, ok. Normalement, je dois avoir un humain. Ouais, terrien... Ça marche, la couleur, là ? Panneau de contrôle de l'ascenseur. Ah, d'accord. Oh, c'est pas si mal que ça. Mars. C'est un terrien qui vient de Mars ? Approuvé, d'accord.
Ok. D'accord, donc j'en ai vérifié un. Mais pourquoi j'en ai toujours... Ah, d'accord. D'accord. Sécurité vraiment extraterrestre. Ok. Terrien, lui... Ouais, bah oui, c'est bon. C'est approuvé. Signal détecté de assistant. Et moi encore. Avez-vous examiné les documents du premier passager? Mot. Je pense que vous avez un peu compris, n'est-ce pas? Mot. Tout d'abord, la photo dans les documents n'est qu'une photo. La couleur des cheveux, la coiffure et les vêtements des gens peuvent ne pas correspondre à ce que vous voyez devant vous. Ah, donc c'est bon. J'imaginais que c'était un filtre, ouais. C'est normal, tout le monde change. D'accord. Mot. Deuxièmement, souvenez-vous que les robots me ressemblent. Donc si les documents d'un terrien indiquent qu'il est un robot, c'est une erreur. D'accord. Mot. Oh oui, si vous avez essayé d'allumer le scanner, il n'est pas encore entièrement fonctionnel, nous le réparons bientôt. Mot. Votre tâche consiste à... Oui, mot. Ok. Donc ça, c'est fait. J'inspecte. Et donc, en fait, je gagne des molécules quand je... D'accord, c'est un terrien. Ouais, donc ça, c'est bon. Ouais, il y a d'autres choses. Scanner. Scanner est cassé. D'accord. Ouais, toi, c'est bon, toi. Il est temps de se fondre dans la masse. Bienvenue. What? C'est fou. Et quel âge a-t-elle? J'avais peur de ça. C'est tellement triste dans mon âme. Je ferais mieux d'approcher un autre inspecteur, d'accord? Je viens de vérifier tout de suite. C'est triste que tu sois si insensible. Je comprends rien. D'accord. Mou. C'est pas que je suis méchant, hein. C'est juste que j'ai rien compris à ce que tu as voulu dire. Ouais, bah tout est bon. Ok. Bonjour, je suis le directeur scientifique du laboratoire Sphère de la Terre. Mou. Il n'y a pas de temps. Envoyer la lettre. Rien dire. Nous avons réparé ce drone de construction fou. Personne dans le laboratoire ne sait pourquoi il a fait grève. Nous l'avons redémarré et encore plus de bonnes nouvelles. Nous avons mis en place un laboratoire à votre station et réparé le scanner de documents. Okay. Maintenant, vous pouvez explorer de nouvelles technologies, vous savez, de nouvelles chaises, des fenêtres et d'autres technologies. What? Dans tous les cas, vous pouvez vous amuser. Mais si j'étais vous, j'étudierais d'abord la bureaucratie. Fatigué de parcourir des documents, cela aidera à plus tard, au revoir. Alors, explorer les nouvelles technologies. Utiliser le laboratoire pour commencer les recherches et débloquer de nouvelles technologies. La bureaucratie sera un bon choix. Laboratoire. What the f... Oh. Oh, ce beuh de fond, là, il est assez... Et ça relou, là. Je peux rechercher bureaucratie pour 510 balles. Temps de recherche, 51 minutes. Ok. Je suis désolé, chasse, pour ce beuh de fond. Robots spéciaux pour automatiser les contrôles de documents à la gare. D'accord, quoi de neuf? Éléments. Flight Scheduler. Ah, ils l'ont pas traduit. Aircraft Survival Management for Space Center. D'accord. Bureau de bureaucrate. On dirait que c'est Google qui a traduit le jeu. Non, on dirait que c'est Google qui a traduit dans une langue, puis retraduit dans une autre. C'est très spécial. Cabine d'isolation. Cellule de détention temporaire pour les criminels arrêtés, d'accord, réservation, d'accord, ok. Vas-y, commencez la recherche. C'est réellement 51 minutes? Oh my fucking god. Oh putain, ça va être long. Ah non, d'accord, ok. Ouh, c'est 51 minutes in-game, mais pas 51 minutes. Ah, 51 minutes RT. Real time. Un jeu à la longue... Non, ça va. C'est plus un jeu... Non, c'est sympa. C'est un jeu de gestion à la Papers, Please, mais avec 2-3 trucs en plus. Hein. Alors... Ah, et il m'apporte les trucs que j'ai recherchés. Ok. Nous avons recherché une nouvelle technologie, bureaucratie. Je vous ai apporté quelques articles
d'échantillons pour la station. Bureau de bureaucrate, cabine d'isolation, réservée au personnel, entrée interdite. Robots spéciaux pour automatiser les contrôles de documents à la gare. Approuver l'atterrissage. A plus tout le monde. Moi je passais faire des bisous chat. Oh yes. Mignon. Vive les murs de maison. Tout à fait. Merci chat pour ton soutien. J'allais dire mural, non, plutôt de fondation. Vous pouvez désormais automatiser partiellement le processus de vérification. D'accord. Construisez un bureau de bureaucrate à la gare. L'ensemble comprend un robot qui vérifie les documents. Très bien. Si vous n'avez pas le temps de vérifier les documents, créez plus de bureaucrates et embauchez plus de commis. Mot. Oh, n'oubliez pas que vous devez inspecter quelqu'un pour rassembler les ressources nécessaires. Vous devez inspecter quelqu'un pour rassembler les ressources. Je tiens également à souligner que je suis assez intelligent, contrairement à toi. Et pourquoi ai-je dit ça ? On parlera de ta traduction. Ici, là, ferme ta bien. Bon. Construire le bureau de bureaucrate. Utiliser le menu de construction. Sélectionner la catégorie bureaucratie. D'accord, ok. Oui, d'accord. Construire. Bureaucratie. Salut Totoro ! Salut Totoro ! Bureau de bureaucratie. Pourquoi il y a deux rectangles ? Je le mets où ? D'accord, je vais le mettre là. Là, il est bien. Là, il se bien. Construire le bureau. Hop, je dépose. Force, batterie. Construire le bureau de bureaucratie. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est fait. Et après. D'accord, c'est tout. D'accord, il est en train avec. Ah, non, d'accord, lui, il arrivait. Ça va Totoro ? Qu'est-ce que tu racontes de beau ? T'as vu, je mange... on dirait un bâton de réglisse pour le coup. Bah moi ça va. Ça va, ça va. Et qu'est-ce que je fais après ? Ah c'est clic droit. Clic droit pour me balader. Ou alors, voilà les... ZQSD. Alors, un robot spécial qui peut... Ah ! Livraison Taozone de Mars, vol de 30 minutes, passager, super tabouret, fauteuil de massage, peinture, fenêtre CM2. Oh, beaucoup de choses, c'est bien. Oui. Je suis un coursier du magasin Taozone. Notre entreprise vous a envoyé quelques articles pour la station en cadeau. Cardaison pour vous. 5 chaises, un refroidisseur d'eau, une peinture, des poubelles, un vase mural, plusieurs fenêtres et quelque chose d'autre. Approuver l'atterrissage, je... Oui, bien sûr. Oh, wow. Installer un fauteuil de massage et 5 tabourets. Pas bien sympa. C'est pas si mal que ça, pour jusque-là. Hein. C'est plutôt sympa, même. Et ce vieux... truc jaune là en bas qui fait chier. Je vais le mettre ici. Et les tabourets, je les mets... Ah oui, d'accord. Mettons ça un peu partout. 3. 4. Ah, la baiserie. Merde. Ah, merde. Fermer le panneau. Ah oui, je peux détruire. D'accord, je vais refaire. Parce que c'était pas bien centré. Les tics, les tocs, tout ça. 3. 4. Ouais, bon, tant pis. Je pouvais pas parce que là, il y a deux pixels et là, il y en a un. Enfin, deux de décalage et là, il y en a un. Elle est encore la grue. Non, c'était chat qui est parti. Ok. Bah vas-y.
Go Fabricated. Est-ce que je peux accélérer? Là, j'accélère. Ah oui, j'avais pas vu qu'en haut à gauche, il y avait le... Game time. Cette musique. Ah, bah je suis heureux d'apprendre quand même qu'en une semaine et demie, Twitch bug toujours. Hein. Ça, c'est parfait. Visiblement, on est deux, mais en fait, on est 8 ou 9. Alors. Bonjour, je suis un pilote de Galactic EXY442. La société a lancé un vol charter supplémentaire avec des terriens. Ne les confondez simplement pas avec des robots. Quelqu'un de nouveau a de nouveau gâché les documents, mélangeant les photographies et écrivant qu'ils sont des robots. Au fait, je suis un martien. Les martiens ne sont toujours pas autorisés à voler au-delà du système solaire. Quelle injustice. Mais la corporation m'a autorisé. Au fait, êtes-vous déjà allé sur Mars? Non, vous devriez visiter un jour, la nature est si belle. Elle est si bonne! Et je me suis écarté du sujet à prouver votre résilience. Oui. Vous pourrez aussi bien faire une promenade autour de votre belle gare, il n'y a pas de... Oui. Ah, pardon. D'accord, donc là il va arriver. Ok, c'est Tipa. Donc là, ça se fait... voilà, il les vérifie manuellement. Mais je peux les vérifier moi-même. Donc pareil, la photo sur le document, elle est d'un scanner, d'accord. Allumez le scanner de document à l'aide de l'interrupteur sur la table. D'accord. Et je clique en fait sur les deux trucs qui vont pas. Ensuite, vous obtiendrez le résultat du scanner. Erreur trouvée ou champ correspondant. Ainsi, le scanner peut trouver des erreurs automatiquement, c'est-à-dire sans utiliser vos yeux et votre attention. Vous pouvez comparer non seulement des photos, mais aussi d'autres champs et zones de documents. Faites attention. Chaque erreur marquée par le scanner apportera une récompense supplémentaire. D'accord. Ah, il a l'air d'avoir... Je sais pas s'il a vieilli ou... Champ correspond, d'accord. J'approuve. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Nous avons accumulé suffisamment de ressources pour de nouvelles technologies. Savez-vous qu'en embauchant des programmeurs, ils produiront la ressource logicielle? La cybernétique doit être ouverte. D'accord, ok. Continue. Bref. J'ai une peinture. Non, au laboratoire. Merde, je fais clic droit. Clic droit, ça quitte. D'accord. Parce que clic droit et se déplacer, normalement ça se déplaçait autour du vaisseau. Mais dans le menu de d'arbre de compétences, ça quitte l'arbre. Bureau de commis. Chaque visiteur est tenu de visiter cet objet. Bah. J'ai fait une musique. Bah. Projet SETI. Je vivrai avec, nous permettra de rencontrer de nouvelles espèces et de découvrir l'inconnu. Livraison robotique. Ouais, vas-y, de nouvelles espèces, c'est plus drôle. 81 minutes. Ah merde! Il faut 32 pièces de rapport. Ah non, j'en ai 32? Il m'en faut 40. Bah après. Toi, je t'inspecte. Je suis pressé, tout semble être en ordre avec les documents. Peut-être pouvons-nous parvenir à l'accord d'une manière ou d'une autre. Je propose ce qui suit. Vous me laissez partir et je donne votre. À votre station 5 étoiles et j'écris une excellente critique. Qu'en pensez-vous? Nick. C'est un robot. Voilà. Non, ça marche pas si je fais ça. Bref, en tout cas, c'est un robot. Je rejette. Lol. Quelle déception. Alors, c'est un robot. C'est un robot, c'est rejeté. Ok, il y en a d'autres. C'est frustrant. Bonjour, c'est un robot. Au revoir. Bonjour. C'est
toute tronche. C'est un terrien. C'est approuvé. Vas-y, dernier, je le fais moi-même. Hop. Quel désordre à votre station. Mes documents sont déjà en cours de révision. Peut-être pouvons-nous débrouiller sans toi. C'est moi qui dois te vérifier. Plus 60 DA, moins 40 U. Je vais l'expliquer. Ok. C'est carrément pas toi. Paf. Hop, c'est refusé. Je m'excuse pour toute erreur. Oui, tu m'as surpris, humain. Tu as terminé tout le travail important à la station. Va te coucher et te reposer, Mo. Vos quarts de travail commenceront à 6h du matin et se termineront à 23h. Putain, on dirait mon travail IRL. Gardez une trace de votre temps de recherche. De votre temps. Bientôt, il n'y aura pas assez de temps pour tout. Si nécessaire, l'horloge se trouve dans le coin supérieur à gauche de l'écran. Ah, d'accord, ok. Un nouveau jour, de nouveaux événements et de nouvelles aventures. C'est tout, personne stupide. Pourquoi les gens sont-ils encore... Ouais, ta gueule. Ah oui, d'accord, et ça quitte direct. C'est moi, ça? J'ai une tronche de brioche. Constructeur de corps et de visage. Oh, je peux changer... Oh. Barbe. Non, donne-moi une vraie barbe. Tronche de mini-cul. Tronche de mini-cul. Tronche de mini-cul. Je suis un mini-fesse. Je... Oh putain. Oh mon dieu, t'es formidable. Non, en fait, comme ça, t'étais parfait. Frange. Oui, d'accord. Mon dieu. C'est très spécial. Coiffure. Oh mon dieu. Oh putain. Hommage à Fourchette. Voyage. Couleur. Mon dieu. Il n'y a rien de plus laid. Attends, je peux avoir les mini-yeux? Oh oui. Oh parfait. Et des méga sourcils. Oh, je peux avoir un Emmanuel Chin. Parfait. Motif. Oh mon dieu. Ah, mono-sourcils, mais doubles yeux. Distance. Oh. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh mon dieu! Menton cul, mais nébite. C'est parfait. C'est enregistré. Ah, je pouvais changer le corps. Attends, 2 secondes, j'ai pas totalement fini. Peau. Oula, la jaunisse. Type de cou. D'accord. C'est un peu tout nul. Taille. Oh mon dieu. D'accord, et ça va jusqu'à 12, ok. Costume. Oh mon dieu. Oui. C'est qui le patron? C'est moi. Voilà, c'était très bien comme ça. T'es parfait. Allez, c'est parti. J'ai fait un bon travail aujourd'hui. Allez, le lendemain. Bienvenue. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les robots. Maintenant, n'importe quel robot peut quitter le système solaire. N'importe quel robot de la Terre, de Mars ou de la Lune peut conquérir indépendamment la galaxie. Voilà les actualités. Passez un bon Cosmo. Ok. Donc du coup, ce que j'ai compris, en fait, c'est un Papers, Please mélangé, en fait, avec un jeu un petit peu, pas de craft, mais de build, quoi, en fait, où on peut aménager sa petite station tranquillou. Ce qui est pas mal, ce qui se marie plutôt bien. Bon, là, évidemment, pour l'instant... Seule ombre réelle au tableau, c'est la traduction qu'ils auraient dû, en fait, tout simplement ne pas traduire, parce que là, franchement, c'est plus handicapant qu'autre chose. Mais c'est pas mal, hein, il y a un bon truc. Il y a quelque chose qui se passe entre nous. Bonjour,
Bonjour, hello. Utilisez ces instructions pour vérifier les documents du robot. Mars, la Terre et la Lune sont des options acceptables pour les robots. D'accord. Et donc c'est ça en fait, hein, truc typique de Papers, Please, c'est que au début de chaque journée, en fait, de nouvelle journée, on a de nouvelles instructions qu'il va falloir prendre en compte et faire attention, qui sont en fait des ajouts de difficultés. Donc là, Mars, la Terre et la Lune sont des options acceptables pour les robots. Donc on peut accepter les Martiens, les Terriens et les Lunaires. Si leurs documents contiennent un nombre comme utilisez un scanner pour le comparer aux données originales. Okay. J'ai pas très bien compris, mais d'accord. Ignorez la différence de couleur entre le corps et l'écran, d'accord. Les robots peuvent facilement changer la couleur, changer le contenu de leur écran. Ignorez cela. Les robots peuvent facilement changer le contenu de leur écran. Ah, leur... d'accord, leur faciès. Ignorez cela. Le placement de leur antenne doit correspondre à leur photo. Ah, on s'en fout de leur gueule dans l'écran, mais il faut faire gaffe aux antennes. Chaque robot doit avoir un certificat de fabrication avec des informations sur son logiciel, sa date de production et son poids. Faites attention au poids des robots. Toute déviation est une erreur. Oh, il nous donne vachement de trucs d'un coup, là. Utilisez le scanner pour vérifier le poids réel du robot. Les informations sur le poids se trouve sur le côté gauche de l'écran. N'oubliez pas, c'est le seul logo correct pour tous les robots. Ah oui, putain, d'accord, ok. Le cube avec un petit point en haut à gauche. Cordialement, inspecteur. Oh la vache! C'est vénère d'un coup, là. Hein. Ok. Bah, let's go. Bonjour. Nous sommes des robots de la Lune. Laissez-nous passer, humains. Les robots sont très utiles, ils vous apporteront beaucoup de choses. Okay. Notre mission sera simple et importante, où vous analysez le... Odika, attends de l'adresse. Oh, ami pour toujours, et ça vient. Dernière nouvelle. L'actualité d'aujourd'hui. Le plus grand magasin en ligne conquiert l'espace. Le chef de Tao Zone a annoncé cela. La livraison à la galaxie Pass est désormais disponible. Tao Zone prévoit d'envoyer des marchandises en toute quantité à la station Galaxy Pass. Fin de l'édition, au revoir, à bientôt. Ok, donc visiblement, il y a un magasin, c'est ça, maintenant? Ah, attends, je pose. Je suis pressé, tout semble être en ordre avec le... Excepté vous, les pots de vin. Non. Je fournis mon logiciel 46 gigas en échange de votre accord. Non, je te vérifie. Alors, tac, tac. Je sais pas ce que c'est que ça. Martien, robot, tac, tac. Donc ça, c'est bon au niveau du petit machin. Le petit tag est bon. Et... Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Poids, 33 kilos. Mais j'ai pas ton document... Qu'est-ce que j'en fais de ça? Scanner. Non? Ah. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je le fous? Je le... Là? Non. Ah! Port 1, port 2! Ah putain! Ok! 33 kilos, 34 kilos. Ça marche ou pas? Ah, 1 kilo, ça compte. Ma faute, mauvais groupe sanguin. T'es un robot, du con. Donc, il y a une erreur. C'est rejeté. Ok. Nice. Bon, c'est pas mal, moi, j'aime bien. Hein. Maintenant, nous avons la livraison de marchandises depuis Mars et de la Terre. Tao Zone, c'est un catalogue de produits avec l'option de livraison à la station. Ouais, donc ce que j'ai vu tout à l'heure. Ils ont de nouvelles réductions tous les jours, là-bas, garder un œil sur cela. D'accord, et donc ça, c'est pour aménager mon environnement. Avez-vous déjà commandé une pizza sur la... Oui, oui, c'est bon. C'est dans le terminal. Laissez-moi tranquille, vas-y, je vais vérifier. Mon heure est complètement basse. Je m'en fous. Tac. Et tac. Je trouve que ça manque d'ambiance sonore. Ah ouais, parce que pour moi, je trouve qu'au niveau sonore,
Ça y va, hein. C'est même très... C'est un peu relou, même, d'ailleurs. Ok. Mais après, bon... Donc 28 kilos, 28 kilos, c'est bon. Non. Non mais... Nick. Stop le scanner. Stop le scanner. Merci. Ah, il dit rien. Il dit rien, c'est pas bon. Voilà. Is not okay. C'est vrai que comparé quand même à Papers, Please, Papers, en fait... Bon, là, après, c'est le tout début, mais Papers a un peu plus d'enjeux, avait un peu plus de fond et de... Enfin, une histoire un peu plus vénère, quoi. Un peu plus intéressante. 32 kilos, on est bon. Les antennes sont pas bonnes. Voilà. Les antennes sont pas bonnes. Toi, j'ai l'impression d'analyser des robots de... Bon, bref, si vous connaissez Encryption. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est un robot. 37 kilos. Il fait 37 kilos. Ça, c'est bon. Date de fabrication. Le logiciel, tout ça. Bah, ça a l'air... Tout a l'air d'être bon. Lune, robot. Ok, non, mais ça, toi, t'es bon. Parfait, merci. Bienvenue. Alors, essayons de commander un truc. Tao Zone. Ouvrière drone. Une station avec un drone qui livre des batteries de marchandises et d'autres ressources aux objets de la station. Plus 30 dB de bruit, moins 22 de beauté. D'accord. Drone de constructeur, d'accord. Bureaucratie. Ah ouais, d'accord, il y a plein de trucs en vente, en fait. Ah oui, je peux mettre des pièces en fonction des races. C'est dégueulasse. Cellule de détention temporaire pour les criminels arrêtés. Ça permet d'isoler les criminels dangereux et de recevoir une récompense pour eux le lendemain. D'accord. Est-ce que je peux en mettre, rajouter des pièces supplémentaires? Oui, toilette. Vas-y, j'ai 10 000 balles. Je rajoute un chiotte. Et ça, et un lavabo. Je rajoute un lavabo. Allez, à la caisse. Livraison rapide. Poids max 600 kg. Date de livraison 60 à 70 minutes. Sinon, 750. Poids max 1 tonne 2. C'est marrant, ça. Et en plus, faut que je fasse gaffe à la marchandise. À la livraison. Vas-y, je passe commande. C'est bon. Arrivera dans 4 heures. Ok. Attends, je m'occupe de lui. J'ai envie de le faire. Désolé, j'ai fait une erreur. Ouais, voilà. Oui, donc voilà, s'il est déjà pris, en fait, il... Ça peut être problématique de le reprendre en plus. Bon, bref. Ok. Ok, ça marche. Bon, c'est sympa comme petit jeu. La musique qui m'ennuie, c'est très subjectif. Non, je te comprends. Bonjour. Je suis inspecteur en chef de la corporation. J'espère que vous ne m'avez pas confondu avec votre assistant. Je vois à quelle vitesse vous allez gérer la vérification du document, cependant il y a quelque chose d'important. La corporation veut que tous les passagers de la gare soient très satisfaits. Pour s'assurer que tous les besoins des passagers sont satisfaits à la station spatiale. Boire, manger, dormir, divertissement et autres besoins. Ok. Construisez davantage de salles et d'objets variés à la gare pour satisfaire les besoins des visiteurs. Étudiez de nouvelles technologies pour accéder à de nouveaux éléments, n'oubliez pas les technologies. J'espère que tu as retenu la son pour toi. D'accord, donc il faut aussi... Donc là, ça se transforme aussi en jeu de gestion. Donc il va falloir gérer les humeurs et les stats des différentes personnes qui passent à la station. D'accord. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc ça force, en fait, systématiquement à... Merde, ça force systématiquement à gérer un petit peu, puis à améliorer l'endroit. Ok, ça marche. Zone de détente. Ah, c'est ma zone à moi! Trouvez quelque chose de rare dans votre chambre. C'est rare, ça?
Ok. Et donc, est-ce que je peux agrandir ma station ? Livre d'or. Ah ouais, j'ai le nombre d'étoiles et tout. Siège 1. Tabouret doré. Ok. Un drone, drone constructeur, un drone nettoyeur. Un drone nettoyeur, ça va faire du bruit ça ? Ah non. Pas tant que ça. C'est le drone constructeur le plus bruyant. Station avec un drone qui construit des objets sur la station. Ok. Marque moitié prix. Autant tout acheter, hein. Nique. Aller à la caisse. Livraison standard. Passer commande. Ok. C'est vrai qu'on se retrouve des fois dans des moments un petit peu de pause comme ça où on s'emmerde peut-être un peu. Si je fais construire... Ah, je peux construire d'autres... Ah bah oui. Petite chambre. Chambre moyenne. Ah oui. Ah oui. Oui, je vois. Mais c'est pas mal ça du coup. Si je fais une chambre moyenne ici. Ah oui, c'est instantané. D'accord. Ah ouais. C'est pas mal ça du coup. Donc on a vraiment une... on a vraiment du build quoi. Incroyable, maintenant nous pouvons envoyer des signaux dans l'espace et scanner l'espace interstellaire. Ouais. Le projet s'appelle SETI... Merde, pardon. L'objectif du projet est d'établir un contact avec des civilisations extraterrestres et des aliens. Dans le laboratoire, vous pourrez suivre l'avancement du projet. Pour accélérer le projet, construisez plus d'installations scientifiques sur la station. Commencez par la tour 25G qui accélérera ce processus. Ok. Science, tour 25G, d'accord. Donc vas-y, fais voir. Fuck, j'en ai marre de ce clic droit. Elle est où la tour 25G? Elle doit être là-dedans, non? Technologie inconnue. Oh putain, j'avais pas vu! Galaxy Service Confort, station, mise à niveau, projet SETI. Waouh, d'accord. Ah, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et merci pour la découverte. Des bisous, Totoro! Construire, science. Je l'avais déjà, en fait, la tour. Je la construis où? Ah, dans un... D'accord, dans un machin. J'ai envie de dire, autant construire une salle aménagée spécialement pour ça. Hop. Tac. Science. Tour. Voilà. C'est la 25G. C'est construit. Ah oui, non, ça va se construire. Pouf. Il est temps de partir. Comment trouves-tu ? Bonjour. D'accord, ok. Bonjour, au cas où, je vous ai transmis des inscriptions pour le projet. Vraiment, c'est tif. Bon, bref. C'est vrai que la musique est pas folle quand même. Moi, je préfère le. C'est dommage parce que c'est quand même deux ambiances bien différentes quand même, hein, le côté à la Perforce Please et le côté gestion, craft build. Ça peut coller sur le papier, mais en fait, en termes d'ambiance, faut vraiment bien le gérer parce que le côté lent, le côté je prends mon temps, le côté je découvre des trucs du build et le côté qui est censé être un petit peu stressant et où on doit avoir une certaine attention sur le Papers, Please. Je trouve que ça se marie pas très bien, pour le coup. Je leur que telle Véronique sans son. Incroyable. Salut Zarkal, comment vas-tu? Mais leur bien. Les biens et les pièces détachées sont des ressources précieuses qui nécessitent certains éléments de la station pour être produites. Pouvez-vous installer ces usines sur la station, s'il vous plaît? Ok. Là, il me demande de... Bah, ces nouvelles tâches... Moi, je voulais vérifier encore des gens. Demande d'autorisation intérieure, c'est une livraison de Taozone. Oui.
Et donc là, je peux construire les nouveaux trucs que j'ai commandés, c'est ça? Usine de biens, usine de pièces détachées. Ah oui, non, ça, c'est le nouveau truc. Ça, je l'aurais bien mis en bas, par exemple. Là, c'est vraiment les trucs où il y a les gens. Nouveaux gens? Demande autre... Ah bah non, c'est mon autre truc de 1000. Oui. Ok. Non mais je pense que je vais m'arrêter là, j'ai fait mon petit tour. En tout cas, bon, c'est... Le jeu est bien, mais il m'enchante pas plus que ça. C'est le rythme que je trouve un petit peu bizarre. Je suis pas ultra hypé par le jeu. Mais il reste quand même pas mauvais. C'est une bonne idée. C'est quelque chose d'assez intéressant. Par contre, ouais, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de fil rouge. J'ai pas de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et j'ai pas de bus non plus. Où est-ce que ça va s'arrêter, où est-ce que je dois aller? C'est... Oh là! Je vois qu'il y a du... Il y a du drop de FPS. Quand je bouge la station, ça drop méchamment. Bon là, ça va. J'ai pas, il y a des drops bizarres. Ok. Bon, bref. Allez, je vais pas aller plus loin. On va rester, du coup, sur cette impression-là. Je peux retourner au... Voilà, menu principal. Bon, c'est très bien. Cette image-là est très bien. Voilà. Donc, bah, écoute, YouTube... Je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau du gameplay, surtout j'ai fait un petit peu mon impression. La musique, c'est vrai que la musique peut être un petit peu longue et un petit peu chiante. C'est ce problème de rythme que je disais justement, c'est qu'à la fois on a ce côté lent, posé, et les trucs de recherche, de craft, de build, et à la fois il y a ce côté qui est censé être un petit peu plus frustrant et un petit peu plus stressant. De la recherche, de ne pas faire d'erreur sur les personnes qu'on accepte ou non dans notre station. Et là, on a une musique qui se prête que au build, donc ça veut dire que bah, à aucun moment, en fait, le côté Papers, Please, en fait, n'a d'enjeu. Voilà. Et moi, comme j'étais plus un petit... Enfin, comme j'étais plus sur le... J'ai envie de faire du Papers, Please, bah au final, je suis un petit peu... Je reste sur ma faim, quand même. Mais cela dit, c'est une bonne idée, et c'était quelque chose quand même à tester. En tout cas, s'il vous intéresse, sachez que ce jeu, donc Galaxy Pass Station, c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui même, hein, je vous présente Day One. Je vous remercie d'ailleurs aussi les développeurs qui m'ont filé une clé. Sachez qu'en tout cas, ce jeu, il a une offre de lancement, hein, comme d'habitude, pendant une semaine. Le jeu est à moins 15%, donc c'est-à-dire 8,28€, disponible sur Steam, et il est au prix fort de 9,75€, ce qui, ma foi, pour le temps de jeu et ce qu'il propose, est plutôt pas mal, hein. C'est un prix qui est plutôt fair, donc allez-y. Ah, et il se targue d'être traduit dans 7 langues. Laisse-moi émettre une petite... réticence à ce propos. Voilà. En tout cas, Galaxy Pass Station, c'est tout pour ce test. En tout cas, YouTube, j'espère que du coup tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce, je te fais un doigt, je te fais pas comme vous à la prochaine. Oups, je me trompe de truc. Je suis en tout petit. Allez, ciao.